Salut les Pichous et salut les Pichas! La dernière fois, on a ouvert le coffret Chifours 1000.V et cette fois, Chifours.final V. Comme vous le savez, ce coffret fait partie de Style de combat qui vient de la série Épée et Bouclier. Le deck comprend 163 cartes plus 20 secrètes, ce qui fait 183 au total. La dernière fois, je vous ai présenté les 4 boosters et maintenant, je vais vous présenter les 2 Pokébox qui vont bientôt sortir. Tyranocyp et Pangolin. Allez, on ouvre ce formidable coffret. Voilà. Voici. Parce que c'est compliqué à enlever ce plastique. Hein. Voici la grande carte. Elle est magnifique. Hein. Regardez, attaque 280 avec point batailleur à 220 PV. Là, vous voyez que c'est point final. C'est le signe. Donc V, parce que c'est une V. C'est promo. Voilà. Beaucoup d'informations. Voici la même en petite, vraiment une grosse différence, hein, qui est toujours une promo, là. Mmh. Très jolie. Oula, la carte de l'étude. Cette fois, énergie point final reverse. Voilà. Alors, voici un booster style de combat avec Tyranocyp. Ça c'est ultra prisme, bah, disons que je m'attendais un peu parce que comme la dernière fois c'était comme ça aussi. Il y a toujours 156 cartes plus 17 secrètes qui fait 173 cartes. L'autre booster style de combat avec cette fois Chifours point final Gigamax. Il est rouge parce que 1000 points il serait bleu et trop ténèbres embrasées avec du coup notre ami Eternato Gigamax. Et dans cette série il y a 189 cartes plus 12 secrètes, ça fait 201 cartes, c'est beaucoup hein. Vous préférez lequel? Je sais pas, moi je vais ouvrir un premier ultra prisme. Il souffle très bien ce booster hein. Vraiment je peux le remercier. Voilà. Oui. Du coup 1, 2, 3, 4. Énergie obscurité. Archéodon, oh, il attaque de 60 plus. Oh, c'est pas mal, regardez, il a 110 PV. C'est super ça. Cette fois, boum, attends, lui aussi, il est fort. Et j'aime beaucoup ses cartes maintenant. Oh, trèfle manquant. Joli. Moufouette. Manglouton. Oh, Magmar. Topiqueur d'Alola. Un petit Pokémon d'Alola. Farfuret. Tanguy Reverse. Et... Oh, Motisma Lavage. C'est une forme de Motisma que je n'avais pas. Elle est vraiment géniale. J'aime beaucoup les transformations de Motisma. Et celle-là, bah, je la trouve magnifique. Je l'avais jamais vue. Mais je savais que c'était Lavage. Je savais le nom, son nom et tout. Mais c'est super. Du coup, c'est la rare. Et ben, je suis très contente de l'avoir en rare. Même si j'aurais peut-être préféré une petite GX, mais c'est sûr que ça, ça fait plaisir. Le prochain booster qui va être Ténèbres Embrasées. Avec notre meilleur ami Eternatus Vemax. Du coup, Gigamax. Voilà. Voilà.
que je vous le montre. 1, 2, 3, 4. En même temps, ça prend un peu à compter. 1 à 4. Énergie. Oh ! Ouh là là. Candine. Vieux PC. Ursaring. Barpo. Oh, Quartermac. Ça vient du football américain, le Quartermac. Passe rouge. Sauve Kipou. Oh, il est magnifique. Allez. Tadmor. Sucrène Reverse. Là, je sens que je vais avoir une super carte. Je le sens. Je vous allez voir, je vais avoir raison. Voilà. Oh, bah voilà. Eternatus VMAX. Ah, bah super. Oh, elle est belle. Elle est rugueuse. Elle attaque de 30 fois. Je trouve ça vraiment horrible. Comme attaque effroi finale. Alors, je n'aimerais pas du tout être à la place de celui qui se fait attaquer par cette attaque. Elle a beaucoup de PV. Regardez, 340. C'est énorme. Et elle est magnifique. Eh bah, je trouve que ça se ressemble un peu, non? Vous trouvez pas? Voilà. Je vais un peu la laisser pour que vous la voyez tellement elle est magnifique. Maintenant, style de combat avec Tyranocif. Lui, il est assez fort, donc je pense qu'il va nous donner de bonnes cartes. T'es prêt, petit Tyranocif? T'es prêt à avoir de super cartes? Bon, bah, c'est parti alors. Oula, bah, au moins, on sort les cartes de là, parce que sinon, si tu m'aides pas... Voilà, 1, 2, 3 et 4. Énergie combat. Oh, tour des ténèbres de point final. C'est là où Wushurs, notre ami, évolue en Chifour. Du coup, 1000 points et point final. Mais ça, c'est pour le faire évoluer en point final. Donc, c'est super intéressant d'avoir ça. Afla Manoir. Manoir dans un désert aride comme je sais pas quoi, là. Concentration de Cornelia. Oui, Cornelia, qui est de 1000 points cette fois. Oh, Miss Dibule. Bon, de point final, ils aiment bien mettre les noms à côté, hein. Oh, ce point, je l'adore. Mister Mim de Galar. L'épidonie. Vol Toutou. Et Crapince Reverse. Là, je sais pas vous, mais moi, j'ai encore un super pressentiment. Enfin, ressentiment. Oh, Moustar. Style 1000 points. 1000 points, et marqué là en plus. Elle est encore rugueuse, mais c'est génial ça. C'est la journée qui porte chance. Avec le petit signe. Style de combat. Plus je ne l'avais pas, c'est un beau dresseur. Hein. Ça, c'est très beau dresseur. Si vous l'avez, vous ferez bien de m'envoyer un message sur la rubrique discussion. Du coup, je vais le mettre à côté de notre ami Eternatus VMAX. Voilà. Et pour le prochain... Croisons les doigts au dernier des points final. Ils sont vraiment magnifiques, les cartes là. Surtout quand c'est des super cartes. Hein. Attention. Est-ce que l'avenir du booster sera super? Ouh là là, bon, on va le savoir. Ah, mais il va sortir les cartes. Ah voilà, j'ai réussi parce que... C'est archi compliqué de sortir un booster avec des cartes qui ne veulent pas sortir. Attendez, c'est vrai que ça prenne autant de temps, mais là, c'est pas vrai, ça. Ah, voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4. Énergie électrique. Rapace des pics. En plus, ça rime. Oh, rouleau acerbe. Point final, c'est un drôle de nom, acerbe. Et on voit point final. Gros ray. Grillapatte. Chaglam. Je sais même pas comment il a fait pour monter un arbre parce qu'on voit toute la ville là. Ramolence de Galard. Vol Toutou. Cornèbre. Blixi 1000 points reverse. Là... Je sens que c'est pas terrible en fait. Mais ça va peut-être être bien quand même. Exagide. Oh, il est bon, regardez. Il a 150 PV, c'est bien. Et, oh là, mince.
Bon, voilà. Mais bon, il était type métal. Et c'est tout ce que je peux vous renseigner dessus parce qu'il est tombé. Bon, j'ai ramassé mes cartes et je les ai triées, donc je vais vous faire un petit récap. Ça, c'est la différence de taille entre la carte jumbo et la petite carte. Vous voyez, une grosse différence. Si je la mets les unes sur les autres, il y a une grosse différence. Hein. Voici la commune de Ténèbres Embrasées. Il y a une différence entre style de combat et Ténèbres Embrasées. Regardez bien. Hein. Là, là, c'est pas la même chose. Donc lui, c'est Ténèbres. Une commune qu'on peut trouver assez fréquemment, donc rapidement, enfin facilement du coup. Ça, c'est une autre commune. C'est Misdibul en mode point final qui attaque de soi, c'est pas mal hein, pour une commune. Ça, c'est une rare qu'on voit avec une étoile hexagite avec un bouclier, une épée, si vous voyez. Hein. C'est toujours style de combat, il a 150 PV, c'est énorme, hein. Et 70 en attaque. Je vous l'ai montré parce que comme tout à l'heure, il est tombé. Ça, c'est une autre art, Motisma Lavage. Du coup, c'est une machine à laver de Ultra Prisme. On remarque ça grâce à ce petit signe-là. Il a un talent. Ça, c'est une carte qui était du coup sur la boîte. Du coup, bah, style de combat, c'est pas une promo, hein, parce que l'autre c'était une promo. Là, une brille, parce que c'est une reverse. Là aussi, ça brille sur la petite énergie qui est là. Là, c'est une autre reverse, une commune reverse, du coup. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, c'est peut-être une commune ou quoi. Bah, là, je vous dis, c'est laquelle. Qui est de 1000 points, bah, en même temps, il est, c'est bleu et jaune, et voilà, bah, il est bleu et jaune. Du coup, ça lui va bien, là, ce petit Lixi de base. Ça, c'est Écrapince River. Du coup, ça brille autour du dessin et pas dedans le dessin, sinon ce serait holographique. Voilà. Ça, c'est Sucrène Reverse, qui est une rare, qu'on voit avec une petite étoile noire, là, qui est un Ténèbres Embrasées, toujours. Enfin, tout à l'heure, je vous ai montré une. Du coup, je vous en montre deux, tout simplement. Regardez, elle brille bien. Regardez, elle est forte, elle attaque de 100 et elle a 150 PV. C'est bien. Elle est meilleure que Hexagide. Ça, c'est une Ultra Prisme Tanguy Reverse. C'est un dresseur. Du coup, il n'y a pas les PV. Hein. Il y a marqué juste supporter ici. Et il y a un petit texte là. Ça, c'est une super carte que j'ai réussi à attraper dans un de ces boosters. Regardez, c'est style de combat. Le personnage est full art, il est dans tout le dessin. C'est 1000 points, du coup, comme c'est moustache style 1000 points. Elle est rugueuse, donc c'est super ça. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais eu un moustache style point final en normal. Du coup, là, c'est cool parce que là, je l'ai eu en full art, rugueuse et tout. Bah, c'est génial. Et là, c'est la meilleure carte que j'ai eue, la Eternatus VMAX de Ténèbres Embrasées. Vous voyez là, c'est la 17 sur 189, c'est une ultra rare aussi. Voilà, vous voyez que ça c'est le numéro. Ça c'est un petit talent et en plus elle est rugueuse. Et regardez, elle brille vraiment beaucoup. Hein. Oh, elle est magnifique. J'espère que vous l'avez vous aussi. Hein. Vous pouvez aussi me le dire. Tech de 30 fois, c'est vraiment génial. C'est une super carte. Et là c'est une VMAX et. Elle est Infinimax, parce que normalement c'est Gigamax, mais comme lui, c'est le seul Pokémon qui a Infinimax, du coup, en fait, il est énorme. Et voilà, là, c'est le petit Eternatus normal, du coup, évolution de Eternatus V. Voilà. Regardez, même l'énergie, elle brille dessus. Bah, c'est super, ça!